Excellence, Monsieur le gouverneur militaire à l'intérim de la province du Nord Kivu, mon général. Claude. Monsieur le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, mon commissaire divisionnaire. Messieurs les commandants représentant la force régionale, mon général. Messieurs les membres du comité provincial de sécurité. Messieurs les maires de Goma. Mesdames et messieurs, membres du cabinet de son excellence, monsieur le gouverneur de la province du Nord Kivu. Mesdames et messieurs, cadres et agents de l'administration publique. Mesdames et messieurs, les représentants des confessions religieuses, de la FEC et de la société civile. Distingués invités, mesdames et messieurs. C'est pour moi un honneur d'officier cette cérémonie de prise de fonction du gouverneur militaire intérimaire de la province du Nord Kivu. À ce sujet, recevez les compliments du service provincial du protocole d'État. Monsieur le chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et renseignements des forces armées de la République démocratique du Congo, voici comment se présente le programme de cette cérémonie que vous présidez. Pour commencer, nous allons suivre la lecture des actes juridiques. J'ai cité le télégramme du chef d'état-major général qui sera suivi par la lecture de l'arrêté du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale. Après cette lecture, nous allons suivre une étape de la signature du procès-verbal d'installation qui sera suivie par la remise du sceau et des clés du bureau du gouverneur. Après cette étape de signature, nous allons suivre la lecture du procès-verbal d'installation qui sera suivie par la présentation du gouverneur militaire intérimaire de la province du Nord Kivu par le chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et renseignements. Après la présentation du gouverneur, nous allons suivre le mot du chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et renseignements qui représente ici le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous allons chanter l'hymne national avant l'installation du gouverneur dans son bureau. Monsieur le chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et renseignements, le protocole vous invite de regagner la tente qui est prévue pour les signatures. Nous avons 23. 2. Chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo pour commandant 3e zone de défense. Info. Vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Tiré. Chef de maison militaire. Tiré. Secrétaire général à la défense. Tiré. Inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo. Tiré. Premier président de la haute cour militaire. Tiré. Auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo. Tiré. Chef d'état-major général des forces. Tous. Sous-chef d'état-major. Tous. Commandant garde républicaine. Tiré. Commandant 34e région militaire, tiré. Commandant secteur opérationnel Sokola 1, Grand Nord, tiré. Commandant secteur opérationnel Sokola 2, Nord Kivu, point. Sécurité, 2 points. Numéro de classement, 00-0-1459-, état-major général, commandement, 2023. Sur instruction du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, tiré, pour raison, efficacité, conduite opération, tiré,
Général-major Chirimwami Nkuba Peter, tiret, matricule 1 67 96 75 33 050, tiret, être désigné commandant opération du Nord Kivu, tiret, en remplacement lieutenant-général Ndima Komba Constant, tiret, exécution correcte, tiret, accusé de réception. Chiwewe Songesa Christian, lieutenant-général, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, arrêté ministériel numéro VPM, bar, MDNAC, bar, CAP, bar, 021, bar, 2023, du 16 septembre 2023, portant désignation à titre intérimaire du gouverneur militaire du Nord Kivu. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certaines article de la Constitution de la République du 18 février 2006, spécialement en son article 93. Vu l'ordonnance numéro 21-015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 1, 2 et 6. Vu l'ordonnance numéro 21-016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 1, alinéa 2, article 2, alinéa 2, article 4, 5, alinéa 2 et article 8. Vu l'ordonnance numéro 21-018 du 4 mai 2021 portant nomination de membres des gouvernements provinciaux dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, spécialement en ses articles 2.1 et article 4. Vu l'ordonnance numéro 22-002 du 7 janvier 2023 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République, le gouvernement ainsi que le membre du gouvernement, spécialement en son article 17. Vu l'ordonnance numéro 22-003 du 7 janvier 2022, fixant attribution des ministres, des ministères, spécialement en son article 1, littéra A, puis littéra B, point 14-2 et 4. Vu l'ordonnance numéro 23-030 du 23 mars 2023, modifiant et complétant l'ordonnance numéro 21-012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, spécialement en son article 1.2. Sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence, arrête. Article 1er est désigné à titre intérimaire gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Kuba Peter, matricule 1 67 96 75 33 050.
Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à ces présents arrêtés ministériels. Article 3. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo et le secrétaire général à la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 16 septembre 2023, Jean-Pierre Bemba Gombo. Merci beaucoup. Le 19e jour du mois de septembre, nous, lieutenant général Chiwewe Songesa Christian, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, en exécution de l'arrêté ministériel numéro VPM bar MDNAC bar CAB bar 021 bar 2023 du 16 septembre 2023 portant désignation à titre intérimaire du gouverneur militaire du Nord Kivu, avons procédé ce jour à l'installation du général-major Chirimwami Kuba Peter, matricule 1 67 96 75 33 050 en qualité du gouverneur militaire à l'intérim du Nord Kivu. Pour qu'il n'ignore, nous lui avons laissé l'original du présent procès verbal pour valoir ce qui est de droit. En foi de quoi, nous avons dressé le présent procès verbal au jour, mois et an que déçu. Général, pour le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, général-major Ishali Gonza Ndourou Jacques, chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements. Signature, cadre reçu, signature également, en date du 19 septembre 2023. Je vous remercie. Merci. Merci. Les gens veulent voir les autorités. Ouvrez les choses. Ouvrez les choses. Salut l'assistance. Nous sommes ici, on a lu le procès verbal, on a lu ce que le TG du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant général Chiwewe Songesa Christian. On a lu l'arrêté du ministre, du vice-premier ministre et ministre de la Défense et ancien combattant. Vous l'aviez suivi. Et maintenant, je vous présente le général-major Peter Chirimwami Nkuba, qui est devant vous, qui est votre gouverneur à intérimaire et commandant des opérations dans le Nord Kivu. Vous êtes appelé à les soutenir et à travailler avec lui main dans la main pour pouvoir bouter hors du pays l'agression et l'ennemi qui est devant notre porte. Merci beaucoup. Nous invitons le vice-gouverneur. Prenez une photo, les amis. S'il vous plaît. Kikawe. Vous voyez, on a déjà installé le gouverneur intérimaire. Vous savez, les deux provinces, la province du Nord Kivu et la province de l'Ituri, soit en état de siège. Ce sont des mesures exceptionnelles et des mesures extrêmes. Et l'état final recherché par ce que nous faisons, c'est la paix. Ce n'est pas pour rien qu'on a institué l'état de siège. C'est pour qu'on puisse continuer à travailler, à pacifier et à stabiliser la zone.
Et cela demande l'implication de nous tous. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, ce n'est pas l'affaire seulement des militaires. Dans le cadre de nos opérations, nous sommes obligés de travailler ensemble, main dans la main, avec la population. Aucune armée au monde n'a jamais gagné la guerre sans être avec sa population. C'est pour cela que le commandant suprême a initié ça, il a instruit aussi à nous tous de travailler main dans la main avec vous. Je sais que le gouverneur militaire, le général-major Peter Chirimwami, il connaît mieux les milieux. On a été avec lui sur le terrain, il s'y connaît, il sait quoi faire et il va travailler. C'est un grand défi, mais qu'un défi qu'il doit relever. Nous, les militaires, nous sommes appelés à travailler dans un environnement complexe, un environnement hostile, et pour relever toujours ces défis-là. Dire que nos militaires, à chaque moment, nous sommes en guerre il y a plus de deux décennies, et nous sommes habitués à ça. Et nous allons faire ce travail-là. Coûte que coûte. Qu'on veuille ou pas, les gens vont dire, les gens vont parler. Nous sommes là et nous continuerons à être toujours là. Nous sommes votre armée. Vous n'avez pas une autre armée que cette armée ici, les forces armées de la République démocratique du Congo. Vous êtes appelés à soutenir votre armée. Bon. Moi, j'ai sillonné presque dans d'autres pays. Je n'ai jamais vu dans d'autres pays que les nationaux en train de critiquer leur armée. Jamais. Jamais. Il faut promouvoir toujours votre armée. Il faut faire avec. Et continuer à soutenir l'armée. Si vous ne soutenez pas cette armée, vous soutenez quoi? Vous êtes pour qui? Et vous êtes avec qui? C'est ça le grand problème. Le grand défi, c'est ça. Dans l'armée, on est désigné ou nommé. Nous sommes apolitiques. On n'a jamais été élu par les civils ou nous, on ne vote même pas. Nous sommes apolitiques. Vous devez nous laisser avec notre casquette. Nous sommes apolitiques. Nous resterons toujours apolitiques. Alors dire que vous allez nous impliquer dans vos histoires politiques et tout ça, nous ne sommes pas là. Nous allons toujours travailler. Partout on va nous appeler, nous irons, que ce soit où. Avant d'arriver ici, il était à Ituri. Si on m'appelle où, au Congo central, au Kasaï, partout, j'ai dit toujours ok, au service de la nation, à vos ordres, on y va, sans discuter. Sans même prendre des bagages parfois, vous y allez. Sans même dire au revoir aux enfants, même à votre épouse. Vous y allez parce que vous êtes au service de la nation et c'est un service commandé. Vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui j'ai choisi tel, jamais. Nommé, désigné, à vos ordres, ils viendront, ils vont faire leur travail. Cessez ces histoires-là d'impliquer les militaires dans des histoires tribalo-ethniques, tout ça, non. Ça, ce n'est pas des valeurs fondamentales des forces armées. Jamais. Et même la Constitution interdit ça. Partout où on envoie un militaire, il est appelé à travailler. C'est une mission qu'on leur a donnée. La mission est sacrée. Il faut toujours mettre la mission en avant. Et dès que la mission vous appelle, c'est là où il y a la notion du sacrifice suprême. Vous ne pouvez pas vous sacrifier à votre pays si vous n'aviez pas le patriotisme. Il faut d'abord être patriote, aimer ton pays, aimer ton armée, aimer votre population, aimer toutes les provinces et tous les territoires de la République démocratique du Congo. C'est à ce moment-là que vous allez vous retrouver dans toutes les brousses et forêts de la RDC. C'est parce que vous aimez ces pays-là. Vous risquez pour ces pays-là. Sans toutefois chercher à s'enrichir. Nous ne sommes pas des bourgeois. Nous sommes des nobles. Un noble,
Il est toujours là. Il cherche des valets et il est là au service des autres. Un humble mange après les autres. Ce n'est pas lui qui mange en avant, non. C'est un bourgeois qui a l'habitude de chercher le lucre, l'argent et tout ça. Nous ne sommes pas là. Si vous voulez réussir votre mission, vous allez travailler avec abnégation, travailler avec tout le monde, sans distinction, pour atteindre cette cause-là, la cause nationale, de protéger l'intégrité territoriale. Ok, je vous remercie. Musique, fermez les bas.